Dans un système TDMA à 8 intervalles de temps, on va être capable de servir simultanément 8 utilisateurs. C'est-à-dire que le débit total sur une fréquence est de 8 fois 12,2 kbps par seconde, soit 97,6. Si on considère maintenant la loi de Shannon, 9 dB, cela revient à 3 fois 3 dB, donc à un rapport de 2 à la puissance 3, ce qui nous fait 8. Le logarithme en base 2 de 1 plus 8, soit 9, vaut 3,17. Soit un débit total de 3,2 fois 270 égale 856 kilobits par seconde. Il faut donc faire le rapport entre 856 et 97,6. Nous trouvons 8,7 fois, ce qui veut dire que le débit obtenu dans GSM est 1/9 du débit maximal théorique. On est donc bien loin du maximum de Shannon.